Eh bien bonjour tout le monde, c'est Toxor, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de notre Dead Space sur The Walking Dead Survival Instinct. Et je voulais d'ores et déjà vous dire un truc, lorsque on s'est quitté dans l'épisode 1, donc à la fin on devait retrouver une durite il me semble, on pourra pas faire cette mission tout simplement parce que j'ai coupé et que ces missions là sont secondaires, donc pas obligatoires, ce qui fait que quand on quitte le jeu, on ne revient pas forcément à ces endroits. Donc on pourra peut-être les faire au fur et à mesure, et entre chaque mission on arrêtera. Donc on verra comment on fera le truc, ça verra le temps que ça prendra. Donc là, on a nos deux survivants, l'équipement actuel que l'on dispose, l'équipement qui a un petit peu baissé, j'ai envie de dire, hein. Je sais pas si vous pouvez le constater, j'ai plus d'essence. Transférer ça sur moi, c'est pas grave, on est parti. Toi, on va te faire aller chercher de l'essence, si tu le veux bien. Je vais te donner une arme, non, je vais pas te donner d'arme en fait. Parce que ça te fait descendre, risque collecté, ça te fait descendre un petit peu trop. Toi, tu restes au véhicule, c'est bien. Allez, on est parti pour une nouvelle mission, les amis. Hey, you okay? I'm fine. A little tired, maybe. Been a long day. On dirait vraiment que le gars était mordu, quoi. Fouiller le poste du shérif pour trouver un véhicule. Je vais, par contre, juste mettre un petit peu plus de luminosité, les amis. M'en voulez pas. Mais le jeu est très, 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 très sombre. Ce qui fait qu'on n'y voit pas grand-chose. Ouh, il y a des zombies là-bas, déjà. C'est mauvais signe. On va fouiller, donc, hein, ce commissariat. Ouf. À mon avis ici, c'est pas passé que des bonnes choses, j'ai envie de dire. Les zombies, on fait gaffe à ce qu'ils ne se relèvent pas. Ça a l'air d'être assez grand quand même. Enfin, du moins c'est ce que je pense. Les WC, c'est toujours un endroit qui fait flipper dans les jeux d'horreur. Toujours peur de rencontrer un zombie, un truc comme ça. Toujours vérifier si on trouve rien également dans la cuvette des toilettes. Bon, là, en l'occurrence, on peut pas y accéder, ce qui est un petit peu dommage, hein, pour le réalisme du jeu. Oh, mais je ferme les portes, comme ça, je sais où on est passé. Aucune musique, hein. Ça fait très 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 flipper. C'est assez glauque, hein. Assez glauque comme endroit, les amis. Je vais monter un peu le son, par contre. Histoire que je puisse entendre des pas, s'il y a des zombies par là. Moi, je vous conseille de vous mettre dans le noir également. Moi, je suis dans le noir, là. Je peux vous dire que l'ambiance est bien présente, hein, de Walking Dead. J'ai cru entendre bouger quelque chose. Je sais pas trop ce qu'ils veulent qu'on trouve dans ce commissariat. En attendant... Il y a beaucoup de zombies morts quand même. Et lui, je sais pas s'il est bien mort finalement. Si, il est mort. Et lui. Lui aussi. Putain, c'est incroyable tous les morts qu'il y a, quoi. J'entends quelque chose. Où est-ce qu'il est? Putain, il y a une radio qui s'est mise en route. Oh putain, ça tire quelque part en plus. Où est-ce qu'il est? J'ai entendu un zombie, les amis. Hein. Je suis pas à moitié fou. Je sais très bien ce que j'ai entendu. J'entends des zombies, les amis. Hein. Vraiment, vraiment, j'entends des zombies, là. Ils sont par là, je pense. Oh, putain! Ouah. Ça fait flipper, les amis, hein. Oh là 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 là. Dans quel pétrin on s'est mis, là, les amis. Avec ce jeu. Il est en train de bouffer.
va me bouffer calmement. Bon, lui ça va, il va pas trop nous faire chier, il est en train de bouffer. Il en plus il est en prison. Donc on va dire qu'on est un petit peu en sécurité. On dirait qu'il y a des survivants par là. Je sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui parlent. Hey, you need immediate attention? Looking for my uncle Jess on a working ride. Je peux passer là? Ouais, c'est bon. Give me a description. I'll have my men keep an eye out. Don't blow smoke up my ass. Ain't gonna look for him. Son, I'm trying to keep what's left of an entire county alive. I can't leave here. How about a car then? Truck would be better. Tell you what. Send a couple of my deputies over to the motel next door to check out some screaming. They aren't back yet. You find them, I'll have them look for your friend and set you up with a ride. Deal? You've been at this for a couple of days. Sharp eye. You have a radio, good. Get on it. I'll talk you through Pemberton as you look for your uncle. Yeah? All right. Squad 441, priority. I have to get that. Good luck, son. Yeah, you too. But I ain't your son. Ah, vite, hein. Ouais, je sais pas si ces hommes sont encore en vie, hein, mais bon. Pas un peu bizarre qu'ils soient encore en vie, quoi. Bref, on va fouiller encore. On va finir de fouiller tout ça. Hein. Trouver l'agent disparu. C'est pas bon signe s'il a disparu, à mon avis, c'est que le mec il est mort. Hein. Je dis ça, je dis rien après, je sais pas du tout ce qui se passe. Oh, il y a 2-3 petits trucs intéressants, j'ai l'impression pas ici. Perfect. Des munitions de fusil, un revolver en plus, c'est nickel, ça c'est bon ça. Des grenades, ouh, des grenades les amis. Si on veut faire du bruit, c'est le meilleur moyen de tout aggro les zombies du coin, je pense, c'est les grenades. Putain, les vestiaires. Pour l'instant, on n'a pas eu encore un seul zombie qui s'est réveillé. Qui était KO comme ça. Est-ce qu'ils peuvent se relever? Bon, je pense qu'on va y savoir un jour ou l'autre. Ah ben, l'agent disparu, il est là. L'agent disparu, il a pas fait grand-chose, hein, si je puis dire. C'était la mission, hein. Ouais, c'est bon. Je vais peut-être reparler au gars, non ? Je sais pas ce que vous en pensez. On va lui dire qu'on a retrouvé son pote. You been to the motel yet? Ah bah non. Ah bah non, bah non. Il s'en fout en fait qu'il y ait un de ses collègues qui est mort. Le mec il s'en bat les couilles complètement. Ouais, il y a tes collègues qui est mort dans la douche là. Ça te dit pas d'aller voir? Et alors, vous étiez là dans le motel ou pas? Putain, le gars il a rien à foutre quoi. C'est un truc de dingue. Putain, quel endroit quoi. Attendez, c'est un commissariat. C'est obligé qu'il y ait des armes quelque part. Ou des trucs comme ça, je sais pas, des AK-47, des Magnum, des trucs forcément utiles, j'ai envie de dire quoi. Ou de l'essence. Ou de l'essence, ça c'est bon par contre ça. Non, no more room. Non, je suis plein. Y'a un zombie par là. Y'a un zombie par là. Tiens! Bon, je suis plein en essence, c'est un peu bizarre. Je pensais pas être plein. C'est assez étrange. On va finir de fouiller le commissariat, si vous voulez bien, par là où on a commencé, hein, parce qu'on s'est un petit peu, on est un petit peu parti. Donc on est venu de là tout à l'heure. Hop hop hop, là ça lui a plein de zombies. Attendez. Il y a quelqu'un qui a fait du bruit. Il n'y a rien du tout. Rien du tout, on va ressortir. Direction le motel. Hein. Direction le motel. Pas beaucoup d'action pour l'instant. Hein. Juste ce qu'il faut, j'ai envie de dire. Faire le tour par là, voir si on peut trouver quelque chose. Donc là, il y a une porte. Et il y a un policier mort, une fois de plus.
Ouais, donc ils ont trinqué hein, les flics. Hein. Walking Dead. Un revolver. Oh putain, je suis plein. Non, rien. Ouais, dans Walking Dead, c'est pas bon d'être un flic. Hein. C'est même pas bon du tout. Ok. Ok, c'est bon. On va éteindre la lampe, ça sert pas à grand chose pour l'instant. Il y a un zombie par où là? Ah bah putain, il est juste devant moi, je l'ai pas vu quoi. Il y a un zombie ici. Voilà, on va s'en charger tout de suite. Là, dans la voiture, il y a rien. Il n'y a rien de bon. On voit rien du tout, les amis. Hein. Pfiou, j'espère que je pourrai régler ça pour le rendu sur YouTube. Parce que c'est pas cool sinon. Putain, mais ils sont en train de bouffer en fait tout ce qu'il y a. Hein. Ils bouffent tout ce qu'il y a. Regardez, il y a encore un là. Tiens, hop. Bon, en un contre un. Ouh, putain, ils sont beaucoup là-bas. En un contre un, c'est jouable, les zombies. Hein. Mais après, dès que ça dépasse un peu plus le chiffre... J'ai tenté de passer, hein, sans trop faire genre. Je sais plus... Ah, je peux pas passer devant là, je pense pas, je pense que je vais être bloqué. Oh, ça passe, c'est bon ça. Ils sont un peu cons comme la lune, quoi, les zombies, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait du bruit avec la poubelle, putain. Si les zombies voient une poubelle qui roule, il va se dire, putain, qu'est-ce qui se passe, quoi. Bon, on rentre dans un motel. C'est jamais bon signe hein, les motels, généralement dans les films d'horreur, c'est pas le top les motels. C'est généralement là où on trouve les plus gros cadavres. Putain, il y en a partout quoi. Oh là, il y en a trois ici. J'essaie de passer discrètement. Oh putain, il s'est relevé. J'ai eu chaud, hein. J'ai eu chaud, je crois que c'était 3 mais non, c'était que 2. J'ai pas trop le choix finalement de rentrer par ici parce que j'avais peur de me faire repérer. En gros le zombie s'est relevé quand même. C'est quand même c'est un truc que je tiens à vous dire. Hein. Il s'est relevé l'enfoiré. Oh j'ai eu peur, j'ai entendu une musique. Mon rythme cardiaque est... a dû doubler là, en une fraction de seconde. Oh le flic est là, le flic est mort. J'ai entendu un bruit les amis là. Attendez, on va déposer un truc parce que là je peux pas. Faut que je prenne ça, c'est obligé, c'est... Comment je fais pour déposer un truc? Merde alors. Un fusil à pompe là! Oh! Un fusil à pompe moi. Putain! Putain, crève charogne. Putain, il s'est mis dans les trucs quoi lui, carrément. Il y croyait ça? Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Dire au shérif adjoint qu'on a retrouvé son acolyte. D'accord, ok. Sauf que là, à mon avis, moi je vous le dis sincèrement, ça va pas se passer comme ça. Le retour ne pourra pas être le même que l'aller. Putain, il va me repérer lui.
Je le sens mal barré, lui, là. Croyez-vous qu'il va me voir? C'est bon, je peux y aller. Je peux passer en toute sécurité. Du moins, je l'espère. Ce jeu n'est pas fait pour moi, je crois. L'ambiance de ce jeu me fait trop flipper. Moi, je suis un trouillard dans l'âme. Hein. Je vous dis sincèrement, je suis un trouillard dans l'âme. Surtout quand... Encore dans la vie réelle. Je sais pas pourquoi dans la vie réelle. Je suis pas trop trouillard, mais dans les jeux vidéo, je suis un gros trouillard. J'espère que c'est pas contre moi ce cri là. Oh putain. Oh putain. Il y a du zombie les amis là-bas. Il y a pas mal de zombies. Je sais pas trop comment on va pouvoir passer tout ça. Je vais utiliser la truc là. Voilà comme ça. J'espère que ça les fera aller. Allez, moi je fonce dans le commissariat, j'en ai rien à foutre. Oh putain! Tiens, prends ça. Oh putain. Dégage, 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 dégage. Ouvre la porte. Ah putain, les amis, c'est mort là, je vais mourir là. Putain, les amis, c'est chaud. Putain, ils vont m'avoir les amis là, je pense là. J'en ai bien peur que ma vie ne tienne qu'à un fil. Putain. M'en fous, je bois. M'en fous, je bois. Putain, les amis, c'était chaud. C'était chaud. On va prendre le couteau, hein. C'était super tendu. Super tendu. J'ai cru que j'y ai passé 15 fois. On n'oublie pas, ça repop les zombies ici, hein. Oh, ils repopent même pas, en fait. Ils sont carrément en train de se relever, quoi. Putain! Putain, putain, les amis, c'est trop tendu cet épisode! Enfin, en tout cas, le premier zombie, j'ai tué au fusil à pompe, il a fait un triple salto arrière. Assez impressionnant. Hein, on peut peut-être le souligner, hein, je pense que c'est assez important de le souligner. Allez, on va retourner voir le collègue. You find anything? They didn't make it. Well, two good men. All of mine were good men. Here's the keys. Full tank of gas. And she's good off-road. Looks like you could use some help. Of that, I am certain. Go on now. I got a system. Palmetto Estates are still evacuating civilians to safety. Sent my daughter there. Get there right quick. Squad 9, 10,
Squad 910, Lee, is that you? Yes, sir. I'm at the campground. I have a few survivors. Back up! Send back up! Prenez l'un des patrouilleurs, d'accord? Je sais pas trop ce que ça veut dire. Moi, en tout cas, s'il y a des zombies comme ça tout à l'heure, si tu es tout seul, c'est pas la peine, on va jamais s'en sortir, les amis. Je sais pas trop ce qu'il veut que je fasse là, prenant des patrouilleurs. Chut, putain. Ils se relèvent tous, hein, les zombies. C'est un jour ou l'autre, ils vont tous se relever là. T'as vraiment une sale gueule, toi. T'as pensé à aller chez le dentiste? En tout cas, ça m'a vraiment fait flipper. Tout à l'heure, les zombies sont arrivés tous là, un par un. Uncle Jess, where the hell you been, you old coot? Oh Jess? Putain! C'est un zombie! C'est un zombie! C'est un zombie, Jess! Oh putain, non! Oh, j'ai dû tuer l'oncle Jess! Oh merde! Je sais pas s'il a loupé sa mission ou si c'est normal. Et mais en tout cas, on a perdu oncle Jess. C'est une triste nouvelle. C'est dommage. On va faire une minute de silence pour l'oncle Jess, s'il vous plaît. Emplacement 14 dans la voiture, c'est pas possible. Bah monter à 14 dans une voiture. Grande berline. Impossible. Bon écoutez les amis, on va se quitter là, hein. C'était un épisode vraiment 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 difficile. J'espère que ne seront pas tous comme ça parce que c'est complexissime, j'ai envie de dire. En tout cas je vous fais à tous plein de gros bisous, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de ce Let's Play. Portez-vous bien, c'est tout le monde.